l'argent à la base, on ne l'a pas. Donc, on est obligé de s'endetter. On a des dettes qu'on n'a pas encore pu rembourser jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on est obligé de travailler au niveau du partenariat. Ça veut dire que galérer des mois et des mois pour voir des amis qui vont aider à loger, à nourrir les comédiens, les techniciens. Je veux dire que c'est du lobbying, mais c'est épuisant. Dans ce contexte, comment font donc les cinéastes camerounais pour produire des films ? Mais on se débrouille. C'est triste de le dire, mais vraiment, les cinéastes camerounais souffrent énormément pour financer leurs films. Il y a par exemple d'autres qui font dans les tontines, ou alors d'autres qui se privent de tout pour financer leurs films. Beaucoup font également appel aux producteurs étrangers pour financer leurs films. C'est par exemple le cas de Léa Mallet avec son film Innocent, qui a bénéficié de la participation d'Acajou, de Canal+. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Je le jure.